Penelope Cru recevait vendredi soir le César d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Après Georges Clounet, sans Penou encore Scarlett Johansson, l'actrice espagnole a reçu les honneurs du cinéma français. Une récompense qui a particulièrement touché Penelope Cru, en larmes au moment de récupérer son prix. Mais bien sûr, comme à chaque grande soirée ces derniers mois, la question du harcèlement des femmes était au cœur de la cérémonie. Pour l'occasion. Et pour montrer leur soutien à cette cause, de très nombreux artistes et personnalités arboraient vendredi soir un ruban blanc sur leur tenue. Penelope Cru en faisait partie, elle nous a expliqué pourquoi au micro de non-stop et hop Toutes les femmes n'ont pas l'opportunité de dénoncer ça devant un micro. Nous qui sommes des personnalités publiques, avons le devoir de dénoncer ça parce que c'est un problème général qui ne se limite pas à l'industrie du cinéma, mais qui touche tous les milieux, au niveau mondial, explique l'actrice. Durant la soirée, de nombreuses prises de parole ont permis de mettre un peu plus en avant cette nouvelle lutte, initiée notamment grâce aux révélations de femmes victimes du producteur américain Harvey Weinstein.